Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à Plurum sur l'épisode de Starbound V5, Glad Giraffe, pas Fallout 4. J'en ai tourné 4 à la suite, mais bon, c'est pas grave. Donc, je me rappelle plus où est-ce que nous en étions. Oui, on avait fait ce tour de planète ici. On avait fait la mining facility. Fuel for the ride. D'accord, il nous faut rapporter un diamant aussi à l'outpost. Donc pour ça, on y va tout de suite. Normalement, on devrait aussi récupérer quelques nouvelles quêtes, s'il ne me trompe pas, voilà, pardon. Lui. Bon, pour ça, il va me falloir une armure en titane. La titane peut être trouvée dans les systèmes de type excentrique. Ça, on verra ça tout à l'heure. On a ce scientifique qui me demande le diamant. Je l'ai raté. Voilà, merci. Au passage, j'avais oublié de le faire, mais on va le faire ensemble, chers amis. Hop. C'est parti. Je crois que je me suis déjà planté. Je me suis planté. Alors, où est-ce que je me suis planté? Je me rappelle plus. Où est-ce que je me suis planté? Je me rappelle plus. C'est là, non? Ouais, c'était là qu'il fallait que je tourne, c'est ça. Voilà, là c'est en face. Ah non, c'est pas là. Merde, je me suis planté. La première. Je me rappelle plus, moi. Ça fait un bail. Si, c'est ça, c'est là. Là, je tourne. Non, même pas. Ah merde! Attendez, attendez. Hop. On prend la seule. Ou alors, si on tourne à droite. Puis à gauche, on reste à gauche. Non, y a rien. C'est pas ça. J'avais raison. C'est pas là. Puis là. Parce que là, ça mène à rien. C'est bien là. Hop. Non, ça ressemble pas du tout à là où je vais habituellement. Merde alors. Est-ce qu'il l'aurait rechangé? Cul-de-sac. Est-ce qu'il l'aurait pas rechangé, ces salauds? Marrant, là, ça y ressemble. Ah, voilà, donc ils l'ont rechangé. Ok. Il y a du boulot. Winning ticket, on a gagné donc un ticket. Qui implique, enfin, qui indique qu'on a gagné. Ce boost qui ne nous sert plus à rien, et lui, qui nous demande donc encore plus de diamants. Lui ramener 2 diamants. Lui qui nous demande des pixels, donc bon, pourquoi pas. On monte sur le vaisseau. On va aller donc récupérer, chers amis, du carburant. Pour ce faire, vous allez voir, c'est très très simple. On va aller donc sur un de ces systèmes, représenté donc sur une de ces planètes représentant le système, par... A rocky airless world, a great source of fuel. Voilà, donc on va ici. Ce sont en fait des espèces de lunes de carburant, hein. Faut pas chercher plus loin. Hop. La petite astuce, comme toujours, chers amis, je vous la donne, c'est vous dézoomez votre écran. Le carburant, normalement, est toujours, je pense, visible. Dans le noir, c'est-à-dire qu'il émet une petite lueur, vous allez voir. Petite, tout est relatif. On va aller se faire un maximum de carburant aussi, attention, c'est vraiment un maximum qu'on va aller se faire. Hop. Allons-y. Oh.
Ça, ça m'intrigue. Dans du sable. Non, c'est toujours été dans du sable, peut-être. Peut-être moi qui suis un peu stupide, pour le coup. Et on creuse. Là, par contre, c'est vraiment du... Vous voyez ? Et donc, le carburant est visible. Et vous le récupérez avec votre amateur manipulateur, voilà. Donc là, j'ai de quoi faire la mission. Cependant, si je veux pas m'arrêter toutes les 2 minutes, on va continuer à aller en chercher. Et vous allez voir que... on peut en trouver en très très grande quantité. Le seul véritable pépin qu'on va avoir, en fait, avec cette... Ah, zut. Zut. Aïe. Alors, pour ce faire, on va quand même changer un petit peu notre équipement. Hop. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre à la place du capture pod. Et vous allez voir, l'astuce est toujours de se mettre le maximum en dessous. Comme ça, vous pouvez récupérer, voilà, tout ce qui va tomber, ou presque. Là, pour le coup, on va pas tout avoir, mais une grosse quantité quand même. On va essayer d'en récupérer un stack, ou plus, ça dépendra des types de commandes de bassins, entre guillemets, qu'on va trouver. Oh la vache, heureusement qu'on est sur la lune, hein. Donc normalement, plus on sera en profondeur, plus on y trouvera des choses intéressantes, et on trouvera que ça, pratiquement, sur ces planètes, sur ces, ouais, on va dire, j'allais dire système, mais non, sur ces planètes, vraiment. Ah, là, ça commence à être intéressant. Ok. Donc c'est assez inintéressant à réaliser, hein, faut l'admettre. C'est pour ça qu'il faut... Alors, vous voyez, alors, ah, on en trouve même à ces niveaux, génial. Alors, on peut trouver aussi du plutonium, chers amis. Plutonium qui est une source de carburant extrêmement rare et extrêmement efficace. Et quand je dis extrêmement, vous n'imaginez pas. Un plutonium rod, donc 2 plutonium, je crois, normaux, correspond à 100 unités de carburant. C'est vraiment un véritable condensé de carburant. Là, je me suis empalé dessus, j'aimerais bien le casser avant qu'il me tue. Hop. Donc oui, le plutonium, faut y faire extrêmement attention. Il est d'une rareté, il est extrêmement précieux, voilà, on va dire ça comme ça. Hop. À tout hasard, on en est à combien au niveau de... Actuellement, on a plus de plutonium, de carburant avec le plutonium, qu'est-ce qu'on a pu récupérer en carburant normal. Carburant classique, entre guillemets. Hop. Ah, voilà, on commence à tomber sur des grosses cuves, vous voyez. Là, ça commence à être réellement intéressant. Encore qu'on est en 4x4, enfin en 2x2, pardon, en 4 cubes. Donc on les chope 4x4, les liquides. Ce qui ne va pas très vite du tout. Mais bon, on ne va pas aller plus vite, pour le coup. Et donc l'avantage du zoom, ça vous permet de voir en fait tout simplement les différents gros bassins que vous pouvez avoir autour de vous, un peu plus loin en fait, tout simplement. Alors. Je regarde quand même, sait-on jamais, hein. On a un bassin sur la droite. Qui est d'une taille, ma foi, très correcte. Hop. On y va. On absorbe, on récupère, on aspire tout le carburant. Le précieux carburant. Ce qui est tout aussi précieux dans le monde réel que dans ce monde. Hop. Ah, on peut plus. Ah! On peut plus faire l'énergie dash dans le vol, chers amis. Donc ça veut dire qu'on peut pas se rattraper. On peut plus se rattraper avec l'énergie dash. Ouh, ça c'est bon à savoir. Vous voyez, je suis en train de spammer l'énergie dash, mais il passe pas. Donc faire extrêmement attention avec l'énergie dash. Il ne nous sauvera plus la vie.
Ah, j'ai cru voir du carburant. Aïe. Enfin, du comment du. Hop, du plutonium, c'est dommage, il sera trop loin pour qu'on le récupère. Ce qui est souvent le cas, chers amis, hein, ne vous inquiétez pas, c'est. En début de partie, le plutonium est pas censé être trop. Trop présent, normalement. À moins que ça a changé depuis les précédentes mises à jour, hein. Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'on a un stack? Pas encore. Hein. Pas encore. J'aimerais récupérer un stack, c'est déjà pas mal en début de partie. Hein. Ça me serait d'éviter d'avoir à le refaire tout le temps. Hop. Hop. Vous savez quoi? On va bourrer un petit coup. Hop. Je suis pas partisan des pioches et des. Des comment des drills que vous pourrez voir un peu plus tard. Mais. Bon, je reconnais qu'elles ont leur efficacité, cependant. Faut parfois admettre que. Ah, il y a du plutonium juste à côté en plus. Génial. Hop. Pour ça de prix. Ah ah. Ah non, je crois qu'il y en avait un petit peu là. Dommage. Putain, j'y ai vraiment cru en plus, c'est dommage. Aïe. Ah, il y a un petit peu par contre de carburant qu'on va s'empresser de prendre, pardon. Alors. Hop. Donc on a un peu plus d'un stack. Hop. Alors le carburant c'est vraiment important parce que ça vous permet de changer de système et surtout de vous déplacer donc entre chaque système et de bien sûr l'évolution du jeu se passe en suivant les différents systèmes que vous débloquerez au fur et à mesure de l'aventure. Hop, donc j'aimerais si possible trouver un peu plus de plutonium, ce serait cool. Putain là c'est la mort, non c'est bon. Ok. Ou alors des régions avec un peu plus de... Hop. Ah bah non, elles sont efficaces hein. Parce que je sais que ce qu'on casse là, c'est pas du facile à casser, quoi. Alors là, on a une belle quantité. On va récupérer tout ça. Hop! Et on terminera, on remontera ensuite, je pense. Là, on a vraiment une quantité intéressante, hein. Vous allez voir, on va être dans les 300, à mon avis, je dirais. Même 400, peut-être. Ouais, je suis peut-être un petit peu pessimiste, hein. Peut-être qu'on va toucher les 500, hein. Non, peut-être 400, c'est pas mal. Si on les touche, déjà, ça sera pas mal. Hop, vous voyez. À vue de nez, j'étais pas loin. Voilà. Bon bah écoutez, on remonte. On remonte sur le vaisseau. Hop. On va aller faire le plein. De toute façon vous allez voir qu'il y a déjà valeur. En fait si j'ai voulu en prendre un peu plus c'est parce que tout de suite. Alors on va déjà remettre le... Hop. Voilà. Vous allez voir. En remettant ça directement, déjà on va en pomper 1000. Hop. Ça fait mal aux fesses. Mais c'est comme ça. Ici, plutonium rod. Faire en avoir un chiffre rond. Hop, hop. Ok. Donc, chers amis, maintenant que nous avons fait ça, on peut se déplacer sur une Eccentric Star. En plus, elle a plein de planètes, c'est génial. Et une type Snow, tiens, ça va nous changer. You know nothing, Jon Snow. Et nous voilà partis. Alors.
Ok, l'arc, ça, ok. Parfait, parfait, parfait. Donc, sur cette planète, on va pouvoir trouver du titanium. Qui me permettra de crafter la prochaine armure, pardon. Et ensuite, passer à autre chose. On va peut-être pouvoir aussi chercher un petit peu de tout ça. Voilà. C'est marrant, je pensais en avoir un peu plus quand même. Je me trompe peut-être, hein. Oula. Un grand flash lumineux. Ah, voilà. Eh bien, j'en avais un peu plus. 3, 4, 5. Voilà. Plus que deux lasers. Et normalement, sur la planète de type Snow, on aurait pu en trouver un peu plus du laser, vous allez voir. De toute façon, on va aller le chasser. On va aller le chasser, on va aller le chasser. Voilà. On n'avait pas un Iron Hunting Bow aussi, de temps en temps. BO. Ah non, pas ici apparemment. BOW. Voilà. Hop. Est-ce qu'on a de l'acier? Voilà. On va avoir un arc un peu plus performant, chers amis, quand même. On nous le mérite, non? Hop. Voilà. C'est parti, on va chasser. Hop. Arrière. Putain, c'est un bouc. Hop. Mais il m'a fait vachement mal en plus. Aïe, je me suis fait vachement mal en plus. What? Monsieur Glaçon, oh putain. Il peut le faire en courant en plus. Mais t'es craqué. Oh putain. Peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue ça. Appelez, touchez. Appelez. Je pense qu'on aura besoin de viande, chers amis, prochainement. Non, j'aurais pu essayer de le capturer celui-là. Vous avez vu en haut? Oh, appelez! Ok. Alors ceci, chers amis, ça indique une petite grotte, une petite caverne cachée. Potentiellement avec un coffre, voilà, de glace. Oh, génial! Un upgrade module. Hop. On récupère ça. Hop. Et on ressort. Oh oh! Intéressant. Quelques pixels, rien de bien. Rien de bien fou. Rien de bien folichon. Oula. Oh! Allez! Parfait! Un steak supplémentaire. Alors bien sûr, comme on a changé de type d'étoile, chers amis, les ennemis sont forcément, eux, plus durs à abattre. Ça me semble logique. Ça ne l'est peut-être pas forcément au premier abord, mais ça me semble logique. Alors, bonjour. Yo! Du coup, j'aimerais trouver l'armurier. Il a un coffre, voilà, et il a une épée de feu qui fait 10 de dégâts par swing. La mienne en fait. J'en ai aucune idée. Ok. Ok. Hop, pardon. Pardon, pardon, pardon.
Pardon. Putain, il me voit même à travers les portes, sac. Yo. Je ne fais que passer, ne vous inquiétez pas. Ça, je récupère, je sais pas si j'en ai récupéré un, mais il m'en faut un. Ah, j'ai tombé du titane dans le truc. Bonjour. Welcome to my store. Bonjour. Rien d'intéressant. Oh, un biome luminescent en dessous. Cool. Ouais, ils ont quand même pas grand chose d'intéressant. Ce qui m'embête, je l'avoue. Je crois qu'il y aurait plus de choses intéressantes dans le fond du... Du village que dans le village lui-même, en fait. Enfin bon, on récupère quand même le sang comme ça. Ah bah un coffre, voilà. Un coffre donc de... De biome, chers amis. Hop. Welcome to my store. Ok. Ils ont plein de choses intéressantes, cependant ils n'ont pas ce que je recherche. Ouh, un deuxième coffre, on a du bol. On a du bol, chers amis. Hop. Même si ce qu'il contient n'était pas génial en fait. Ok, donc il y avait un bouclier aussi là-dedans. Ok. Et je pense qu'on est sorti, voilà, du biome. Enfin, pardon, du village. Je me trompe. Cependant, on va peut-être aller fouiller le biome en souterrain. Je vais donner une astuce comme ça. Que certains ont pu voir récemment donc dans mes vidéos de la précédente aventure. Mais j'imagine que la nouvelle update va me ramener d'autres viewers. Donc merci à vous et j'espère que vous vous plaisez sur la chaîne. Hop. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que même les blocs qu'on peut voir ici produisent de la lumière. Oh, regardez. Regardez, chers amis. Il y a un petit machin lumineux, là, au sol. Donc. Voyons voir si on va y arriver. Voilà, on l'a eu. Oh! T'apprendra d'être si grand. Voilà. Problème résolu. Hop. Je regarde quand même en sous-sol. Une fois qu'on voit un coffre. Apparemment, ce n'est pas le cas. Ah, et on a quitté le biome. Bon, bah écoutez, tant pis. On y reviendra une autre fois. Alors. Oh, ils sont mignons aussi, ceux-là. Oh là. Et lâche-moi!
Aïe. Tu m'as raté. Freine. Mais qu'il est con. C'est la porte à peine. Putain. Hop. Bref, là, chers amis, dans celle-ci... Oh, il y en a un autre qui arrive, t'es sérieux? J'ai quelque chose de capturé. Hop. Qui est le petit truc que vous avez pu voir tout à l'heure. Mais qu'il est con. Ah, il saute! Appelé. Bon, je trouve pas des masses de cuir. Hein. Il est violent. Il l'est plus. Oh, le boomerang! Génial! Une arme extrêmement rare, chers amis. Extrêmement rare, parce que c'est une arme qui, en fait, est une arme, une des nouvelles armes implémentées qui sont en fait des... Bah, c'est vraiment une arme. C'est tout simplement le terme, c'est hard to find unique weapon. Donc c'est vraiment une des armes les plus... Une arme compliquée à trouver apparemment. Et comme beaucoup d'armes compliquées à trouver, en fait elles sont améliorables. Ne me demandez pas encore comment. Hop. Il passe vraiment à travers la matière ce machin là. Hop les... Les petits oiseaux, boum. Boum. Regarde celui-là, là, il revient. Il s'appelle Reviens. Boum. Oh, mais j'en ai vu un. Boum. Boum, ça prendra aussi ça. Sous-estimé, boum. Tu es à moi. Non, je l'ai raté. Dommage. Je l'aurai tout tard. Salut. Je t'avais pas vu. Salut. Il s'appelle... Ouais, voilà, il s'appelle Reviens. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, ça c'est pratique. Ah, oh, ça c'est pratique. Boum. 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 Et il revient. C'est limite cheaté, putain des florins. Ok. Alors, j'aime pas les florins de base, chers amis. Mais alors, eux, je les aime encore moins. Donc on va... Non, j'ai été stupide. Quoique, je dois pas avoir assez, je dois avoir 18, si je dois faire 9 barres, c'est pas assez. C'est ça? 12, même pas, j'ai que 6 barres, donc c'est pas assez. On descend, on creuse. Hop. What the fuck? Pas du titane à chier. Hop, on referme, comme ça il passera pas. Parfait ça. C'est pile poil ce que je cherchais, c'est marrant. Normalement avec une quarantaine j'ai pas me faire une armure complète. Quoi, comment ça mon personnage il en chie à le farmer? Bah oui bah alors. Ce qui compte c'est qu'il le récupère. Hein. Hop. Enfin deux diamants aussi. Ah putain. Hop.
Qu'est-ce qu'il y a par là? Oh, encore plus de trucs. Génial. Ah, un autre biome... D'accord, intéressant. Un autre biome bioluminescent, chers amis. Ah, et on va lâcher ça. Celle-là va mourir dans 2-3 coups de pioche, mais c'est pas grave. Voilà. Tant qu'elle fait son boulot, elle peut mourir dignement. Ok. Voilà. Ok. Si je peux essayer de monter là, non, pas encore. Voilà, ça on va gagner du temps, hop. Et casse avant, est-ce qu'elle casse avant celle-là? Non, c'est bon. Ok, bon, je te fous la poubelle parce que t'es morte. Et on monte. Là, chers amis, on a de quoi se faire une armure en titane. Bon, ça c'est fait, ça soulage. Alors, ici, titanium bar, il en faut bien deux, hein. Oh putain, c'est bon. Crac. Avant de faire la titanium timbo, hein, comme vraiment ce que tu veux que je fasse, on va se faire une armure en titane. Ok. Hop. Qu'est-ce que c'est? Assault rifle, oui, effectivement. Qu'est-ce que je peux virer? 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 Les bouteilles d'eau. Parfait. Hop. Bon, de ce côté-là, ça c'est fait. Ensuite, c'est peut-être plutôt par là. Cool. Non plus. Où est-ce que c'est supposé être? Oh. Ça, je l'ai fait. Hop. Vous allez comprendre pourquoi rapidement. Hop. Qu'est-ce que je peux virer de par là? Merde. J'ai trop de bordel sur moi. Je sais. Là, qu'est-ce que j'ai fait de mon coffre avec tout... Pourquoi je l'ai rempli de caca, ce truc-là? Pourquoi j'ai tout rempli... Non, blanc. Voilà déjà, ça c'est fait. Hop, toi tu vas là, ça va m'éclairer la nuit ça. Vous allez voir, c'est extrêmement pratique. Ok. Donc là je peux rien y faire. Là par contre ça m'étonne. Hop. Mais forcément j'ai plus mon titane, c'est la moitié con cette histoire aussi. Crac. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire en titane? Rien. Ici, rien. Ici. Un meilleur arc, ouais, pourquoi pas, mais bon, ça je l'ai déjà. Bon, c'est un meilleur arc après tout, pourquoi pas. On va être un peu plus efficace comme ça. Hop, alors. Moi, je vais ranger mon bordel. Et je pense, chers amis, qu'on va se laisser là pour cet épisode, en tout cas. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueur de la Pérou, dont vous retrouverez le lien dans la barrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'invite ce nouveau petit monstre, donc un critter, donc, à rejoindre notre vaisseau.
Et je vous laisse ici pour cette aventure, pour cet épisode, pardon. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vers le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom dans votre lien dans la mer de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.